Travail qui a réalisé sous la rivière Massac, côté gouvernement haïtien, décidé de construire un canal d'irrigation parce que ça mettait une grosse tension entre Haïti et la République dominicaine. Pour ça, nous allons développer, rester branché, Naptune. Grosse salutation à tous les super branchés. Nous ne pouvons jamais suspendre. Merci parce que vous branchez nous. Et soit à peine fait ça, Nabdou, bienvenue. J'aime bien annoncer la grosse tension entre Haïti et la République dominicaine depuis après que Haïti prend l'initiative pour construire un canal d'irrigation sous la rivière Massac. Si pour autorité haïtienne yo construction canal irrigation ça sous la rivière Massac pas violé aucun article traité qui était signé 20 février 1929 là pour autorité dominicaine yo c'est un autre bagaille son violation totale de traité ça et on menacé pour traîner dossier devant Nations Unies pas les brancher n'a tourné bon situation qui présentait là en Haïti et la République dominicaine depuis quelques mois suite à une décision autorité haïtienne yo te prend pour construire un canal irrigation sous la rivière Massac. Fondi, la rivière Massac sont rivières deux pays yo partagé dans niveau Haïti gen zone pleine Maribao et puis dans niveau République Dominicaine c'est dans zone d'abonne côté rivière ça li prend naissance en Haïti et puis la fini en République Dominicaine. Depuis un bon certain temps autorité dominicaine n'a pas jamais suspend fait de intervention sous rivière là qui dans intérêt yo et pour irriguer une série de terres en République Dominicaine. Mais autorité haïtienne même bon côté par yo, yo pas que jamais prendre décision pour faire aucune action sous la rivière Massac. Donc toute l'eau sorti en Haïti qui passait dans rivière Massac là, il était traversé frontière là, aller en République Dominicaine et c'est dominicain qui t'a utilisé à bon escient bien entendu. Donc depuis le président Jovenel Moïse te prend décision pour construire canal irrigation ça, tension pas suspendre monter entre deux pays. Et récemment, incident malheureux qui était enregistré, c'est le un groupe dominicain, un groupe soldat dominicain qui a traversé frontière là, aller sous site côté travail en fait là, faire de tentatives pour camper travail parce que selon eux même travail là, il pas de droit faire. Suite à cette situation ça, nous connaissons plusieurs rencontres qui étaient organisées entre autorités de pays et dernier en date c'est rencontre qui était organisée dans la chancellerie dominicaine 27 mai passé. Côté autorité de pays, yo, te chita discuter pour voir dans qui manière yo capable jeune entente sous travail pays d'Haïti à réaliser sous la rivière Massac. Donc après rencontre ça, ou jeune dominicain qui campait sous position yo, et autorité haïtienne tout, yo même bon côté paro qui campait sous position. Autorité dans plus haut niveau en République Dominicaine senti yo concerné. Et ça fait après président dominicain Luis Abinader, il était pour position li di pas gen aucun dialogue a fait avec Haïti dans cadre travail ça a réalisé sous la rivière Massac là tout autant Haïti pas prendre décision formelle pour camper provisoirement travail yo donc le ça yo kachita discuter avec Haïti sur tout ça qui de fait sous la rivière Massac mais faut nous dire dominicain au même bon côté pa yo yo déjà fait plusieurs interventions sous la rivière Massac et parmi interventions fait sous rivière yo gen plusieurs prises yo mettez et sous la rivière Massac yo gen plusieurs pompes tout yo mettez pour aller de l'eau qui dans la rivière Massac pour irriguer tel acaillou. Mais pourtant Haïti c'est à peine la construction canal de prise qui visait irriguer environ 3000 hectares dans zone pleine Maribao, on pleine nous connaît qui trouvait en Haïti sous frontière haïtienne dominicaine là, mais qui désertique, nous ka dit aride même, pourtant gon rivière qui passait traverser frontière à irriguer terre en République dominicaine. Donc face à situation ça, autorité haïtienne te prend le soin pour expliquer autorité dominicaine yo que travail qu'a fait sous la rivière Massac là pas en violation à aucun traité Haïti te signé avec la République dominicaine. D'ailleurs, dominicain eux-mêmes c'est censé eux-mêmes qui utilisaient quasi totalité de l'eau qui sortit dans la rivière Massac là. Pourtant Haïti lui-même n'est pas presque fait usage de l'eau donc c'est première infrastructure Haïti à mettre et sous la rivière Massac. Donc autorité haïtienne te prend le soin, te prend le temps pour expliquer autorité dominicaine yo travail qu'a fait là, non seulement il pas en violation à traité Haïti te signé avec la République dominicaine parce que nous connaît Haïti te signé un traité le 20 février 1929 avec la République dominicaine qui portait nom traité d'amitié et de paix sur la gestion des ressources partagées entre Haïti et la République dominicaine. Donc traité en dit clairement toutes ressources, surtout ressources en eau qui partageait frontière de pays, donc n'importe intervention qu'a fait, doit y avoir un chita parler qui fait autour de projet pour que tous les deux pays qu'a mettez au d'accord. Mais faut nous dire information nous gagne pas de jamais faire état de discussion qui te gagne en Haïti et la République dominicaine sous yon intention ou du moins sur projet la République dominicaine t'a gagné pour exécuter sous la rivière Massac. Pendant ce temps grand pile projet yon déjà mettez sous rivière, donc va jamais consulter pays d'Haïti, mais c'est maintenant yon choisi discuter, yon choisi dialoguer avec Haïti parce que Haïti prend une décision
pour construire un canal de prise sous la rivière Massac. Position autorité dominicaine, c'est seulement président dominicain qui fait quoi? Dossier ça, son dossier a porté devant les Nations Unies parce que pour eux-mêmes, Haïti pas en droit de prendre qu'une initiative sous frontière là, sans aval, sans pas 10 euros, sans pas accepter ça qu'a fait là. Ils ont fait quoi? Ils ont porté dossier devant les Nations Unies pour eux-mêmes qui fassent un cas contre Haïti par rapport au projet Haïti gagné sous la rivière Massac. Autorité haïtienne, bon côté par eux, ils même utilisé la voie diplomatique. Côté à maintes reprises, ils ont rencontré avec l'autorité dominicaine pour montrer une nécessité pour Haïti gagner un canal de prise sous la rivière Massac. Donc, comment projet n'est pas empiété sous droit agriculteur dominicain? Parce que dans la revendication qui est autorité dominicaine ou du moins de personnalité en République dominicaine, il aurait été fait quoi? Si Haïti construit un canal de prise sous la rivière Massac, donc pas bien assez de l'eau qui entre en République dominicaine, soit pour alimenter la nappe phréatique ou du moins pour disposer assez de l'eau pour faire arrosage, pour faire reboisement en République dominicaine. Pourtant, le canal de prise Haïti a construit, c'est seulement 20% de débit de l'eau qui est dans le canal Haïti a utilisé. Si pour l'autorité dominicaine, yo, son violation Haïti a fait de traité qui était signé, pour l'autorité haïtienne, yo, yo même yo chercher la voie diplomatique pour expliquer en quoi le projet allait consister et comment le projet n'a pas un objectif pour les intérêts dominicains. Donc, opinion autorité de pays censée diverger. Ou je n'y côté autorité dominicaine yon même qui kouè. Tout dialogue ta dwe gen avec Haïti, dans le cadre projet Haïti avec exécuté sous la rivière Massac, ta dwe passer directement par une interruption de tout travail qui a fait sous la rivière Massac, provisoirement pour ta vin chita parler, discuter avec Haïti et dans le cadre de réalisation sa yon. Mais autorité haïtienne yon même semble yon pas décider de camper, yon pas décider by vague, semble République dominicaine pas faire peu. Donc yon décide, yon construit canal là. Et canal ça, faut nous dire, et son canal qui est extrêmement important pour les paysans dans la zone et frontalière entre Haïti et la République dominicaine. Parce que nous avons une zone pleine de Maribao, son zone côté pas vraiment une prise en charge, l'État est fait de lui. Et donc, il y a une rivière qui passait qui a arrosé toute terre en République dominicaine. Pourtant, pleine de Maribao lui-même, dans le niveau pays d'Haïti, pas vraiment une grande chose qui fait là-dedans. Donc, ça veut dire que son ouvrage qui a en pile importance pour le pays d'Haïti. Et d'ailleurs, ou comment autorité dominicaine yo campé sous brezen yo parce que yo estimé si Haïti fait travail ça là dans intérêt Haïti et li li pa dans intérêt parce que connait zone d'armon son zone qui très productif en République dominicaine et c'est grâce à la rivière Massac qui fait gen en pile terre qui a osé côté pour en pile dans produit et surtout produit agricole qui a sorti en République dominicaine c'est dans zone ça c'est dans zone d'armon yo sorti yo traversé en Haïti donc à plusieurs niveaux autorité dominicaine ou bien société et civil dominicaine là, yo senti intérêt au lésé face à projet ça Haïti avec exécuté. Parce que premièrement, le cible agriculteur pas besoin assez d'eau et deuxièmement tout, yo connaît si plein Maribao, li irrigué, donc a bien production qu'a fait. Donc, li pas évident pour une série de produits dominicains traverser frontière en vin et couler et dans partie Haïti puisque gen terre et arabe qui irrigué et qu'a produit en quantité dans zone nord-est pays spécialement dans zone pleine Maribao. Donc son ouvrage qui d'une importance extrême pour pays d'Haïti, faut que nous disons qu'il y a plusieurs kilomètres de canal qui est construit dans niveau pleine Maribao. Normalement la rivière Massac sont rivières qui partagées en deux pays. Côté où jeune en côté Haïti, d'ailleurs c'est là en Haïti il prend naissance et il traverse frontière là, il y aller en République dominicaine. Après décision autorité haïtienne prend pour construire canal irrigation ça sous jeune autorité dominicaine tout qui vient faire l'autre annonce tant que président dominicain récemment qui a annoncé construction d'un barrage irrigation sous fleuve l'Artibonite qui prend naissance en République dominicaine et qui porte nom Rico Artibonito ça c'est pour la République dominicaine et on a même décidé pour construire un barrage sous fleuve l'Artibonite ça veut dire l'eau qui sorti et dans fleuve là en République dominicaine qui traverse ses frontières qui entre en Haïti. Donc, la République dominicaine a pris une décision à partir de l'année prochaine pour construire un barrage sous fleuve là. Pendant ce temps, est-ce que vous êtes consulté? Donc, vous êtes juste contenté pour annoncer à Haïti l'intention pour construire un barrage d'irrigation et sous fleuve l'Artibonite là. D'ailleurs, dans le discours du président dominicain, Luis Abinader, il regrette le fait que depuis longtemps, pas de jambon président dominicain qui te prend initiative pour présenter Haïti construction yon barrage irrigation sous fleuve l'Artibonite. Donc yon même yon prend, donc ça veut dire yon même yon déjà prend décision pour intervenir sous fleuve l'Artibonite. Pourtant, bon côté Haïti, yon mette interdiction pour Haïti réaliser un canal sous la rivière Massac. Son situation qui est assez compliquée entre deux pays yon.
D'ailleurs, côté dominicain, il est menacé pour faire appel à deux organisations, ou moins deux instances internationales, parmi eux, les Nations Unies, pour venir fourrer bouche dans l'océan. Parce qu'on connaît un traité que deux pays, Haïti et la République dominicaine, ont signé le 20 février 1929. Traité ça, il dit, toute ressource en eau qui partageait entre deux pays, n'importe action qu'a faite de grandes discussions au préalable pour être capable de réaliser. Donc, il est menacé pour porter l'océan devant les Nations Unies. Et le président dominicain, en tout, elle est même menacé pour dire si dans les jours à venir, Haïti ne prend pas décision pour stopper formellement la construction du canal d'irrigation sous la rivière Massacre, donc elle même une réponse diplomatique, il va le bail. Donc, ma réponse diplomatique, qui ça s'attablait dit, nous parlons tête président dominicain, nous parlons de deux qui ça voulait parler, mais c'est à l'autorité haïtienne pour commencer à préparer, ne pas camper sous point pour faire back, donc toute décision c'est camper canal irrigation qui sous la rivière Massacre, pourtant même il y a plusieurs autres infrastructures qui sous rivière. Donc son dossier qui est assez complexe et tendu entre deux pays, et nous même n'a fait nous le devoir depuis une évolution pour nous toujours porter toute information nécessaire et utile pour nous capable informer. Donc n'abzou, à très bientôt pour une autre vidéo. Chemeret Pamouli, bye bye.